Ne serait-ce pas un coffre devant nous? Oui, je pense. Qu'est-ce qu'il y a? Une livrée. Un livre rédigé. Ne serait-ce pas pour une nouvelle mise à jour? Eh bah ben, si! Eh bien, salut à tous les amis, c'est Marwan. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui, nouvelle mise à jour. On va être super bien. Sur la nouvelle mise à jour. Tant de choses rajoutées et je vais le faire même en deux parties. Première partie, les ajouts. Et deuxième partie, reste des ajouts. Et le menu. Le menu extérieur, pas le menu interface. Donc on va commencer par le verre teinté qu'on a attendu depuis très longtemps. Donc à mon avis, peut-être tout le monde connaît les crafts. Et en parlant de craft, ça va être très important. Soit vous gardez automatique, ou soit vous le faites par vous-même. Nouvelle nouveauté, bannière. Donc, qui se craft. Oups. Qui se craft comme ceci. Un bâton et 6 laines. C'est comme un panneau, sauf qu'au lieu de 6 bois, c'est 6 laines. Et voici une bannière personnalisée. Donc je vais pas vous montrer maintenant. Je garde la surprise pour la fin pour vous montrer comment crafter cette bannière. Comme vous voyez sur les épées et sur les outils d'ailleurs aussi, il y a de l'ombre dessus et c'est plus soigneux, plus lisse. Donc il va faire nuit. Regardez maintenant le chat. Désolé pour le bruit de fond. Donc voilà, on vous met. Que vous voulez, la météo, tout ça. Donc désolé pour le bruit de fond. Alors, maintenant c'est plus long. Mais bon. Donc aussi porte-armure. Porte-armure. Vous pouvez faire des trolls, des petits des trucs sympas avec. Et évidemment, gardez votre armure au lieu de prendre la place dans vos coffres. C'est très simple pour le crafter, il vous faut une dalle de pierre qui s'obtient avec 3 pierres alignées. Et il vous faut aussi 6 bâtons comme ceci. Un qui fait un petit T et deux à côté de la dalle de pierre. Voilà. Donc vous pouvez mettre des têtes, des armures. Je ne sais pas si vous pouvez mettre des armes. On peut mettre des armes! Je ne savais pas! Ça c'est une... Ça, c'est une nouveauté. Parce que sur PC, on ne peut pas mettre des armes. Et ça rend les... Ça, je trouve que c'est une grosse nouveauté qu'on peut mettre des armes. Alors ça va être cool. Aussi, nouveau mob. Et j'ai complètement oublié l'œuf. J'ai complètement oublié l'œuf. Mais vous allez voir comment ça marche. Les nouveautés. Donc, vous pouvez rechercher vos... vos items. Donc là, il me semble qu'il faut mettre O parce que O, eux, ils vont pas capter, ils savent pas ce que c'est. Donc là, donc vous pouvez chercher vos items tranquillement et voilà. Donc il est là, vous faites comme ça. Donc, ce voici l'œuf de perroquet. Et il commence à pleuvoir. Donc, évidemment, je sais comment ça marche, j'ai pas besoin. Et tout ça. Et à la fin aussi, je vais vous montrer la bannière, mais notamment un bloc rajouté. Un bloc rajouté qui ne se tient qu'avec les commandes. Donc. Oh, un joli perroquet. Donc, on va le. Voilà, donc vous pouvez vous le faire asseoir et vous pouvez jouer avec un jukebox, il dansera. Peut-être ça, vous connaissez. Évidemment, il y a les nouveaux livres rédigés, donc ça veut dire que vous pourrez, pour les créateurs de maps, au lieu de mettre sur les panneaux, mettre 36 000 panneaux, vous mettez juste sur un livre et c'est fait. Donc, comment se craft cette bannière? Parce que c'est plutôt... aussi pas mal de savoir. Donc il vous faudra
Donc j'ai commencé, donc évidemment cette bannière-là s'obtient avec une bannière noire et 8 colorants verts à côté, tout autour. Donc il vous faut aussi, alors un total de 12 colorants verts, donc là maintenant 4, une lierre, un crâne de Weaver squelette, un verre de cactus et 7 boutres d'os. Donc j'ai fait ma base, donc comme je vous ai dit, vous, quand vous aurez fait cette partie de bannière, vous mettez là. Et évidemment, voilà. Allez. Vous mettez comme ceci. Et vous obtiendrez une ligne. Une ligne. Maintenant, vous faites la même chose comme ceci. Vous obtenez une croix blanche. Vous faites la même chose, mais vous entourez. Vous entourez, hein? Vous entourez pour obtenir un losange vert clair. Puis après ça, vous mettez votre crâne de Weaver squelette avec une poudre d'os. Vous obtiendrez donc ceci. Étape facultative, ça vous, mais ça rend quand même le design. Vous faites ceci et vous obtiendrez ceci. Voilà, vous obtiendrez cette bannière. Regardez. Sympa, hein? Donc, vous pouvez dupliquer une bannière. C'est très simple. Donc, on va aller dans la table de recherche. Non, pas de la dirt. Non, je ne suis pas fan de la dirt. C'est dur, hein. Au début, c'est dur. Mais après, ça va être facile à... utiliser. Vous devez prendre une bannière noire parce que c'est la base. C'est la bannière que vous avez utilisée au tout début du craft. Vous faites ceci, plus ceci, vous obtiendrez la bannière dupliquée sans la refaire. Voilà, j'en ai trois. Sans la refaire. Et donc, comme aussi tous voulu, la fameuse. Le fameux bloc. Donc, si je... Si je me rappelle, en plus, c'est très simple pour l'avoir. Donc, maintenant, vous savez, c'est soit A-B. Moi, je vais prendre A-S, parce que c'est moi-même. Et vous faites ceci. Et vous avez le... Structure bloc. Qu'est-ce que c'est que le structure bloc? Le structure bloc, c'est un bloc qui va vous générer... des blocs ou des états de blocs. Vous pouvez générer une salle de temple aquatique. Voilà. Donc, tac. Donc, Fili Export. Donc, je sais pas du tout comment ça marche. Mais à mon avis, il faut entrer une commande. Comment ça marche? Bon, au moins, je sais pas comment ça marche. Mais vous avez ce bloc. Et donc, on va passer pour la seconde partie plus tard. Et est-ce qu'on peut faire un dual blading? Pour ceux qui savent pas, c'est quoi un dual blading? C'est une double arme. Est-ce qu'on peut faire ça sur l'armure? Non, on peut juste changer. On peut juste changer. Ok. Et ben, regardez. Vous trouvez pas que mon dragon est un peu stylé? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et tout ce que vous voulez. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye!